Welcome tout le monde, c'est Exécuteur et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto Spotacross sur Black Ops 2, donc sur un grind. Donc voilà, premier spot donc de A à C, vous vous calez contre le petit truc là et vous visez où je vise à l'écran. Donc voilà, c'est un spot qui va plutôt bien marcher. Vous allez donc voir la trajectoire tout de suite du Tomahawk. Donc dans ce tuto, j'étais accompagné, je sais plus de qui, mais on va le voir après. En tout cas, dédicace à l'abonné qui m'accompagnait. Je crois que c'est Roméo, Aqua, Xtom, je sais plus, c'est un des deux. Je crois, hein, mais je sais plus, je crois que c'est un des deux. En tout cas, dédicace à toi. Puis merci. De toute façon, on verra sûrement son pseudo à la fin. Voilà, il y a 6 spots dans ce tuto. Donc là, pour le deuxième spot de A à C, vous vous mettez ici, donc calé contre cet endroit, et vous visez le plus haut possible, au-dessus du drapeau A, et vous visez, enfin, le plus possible, un peu plus bas, mais sur cette espèce de petit nuage, vous visez là, et ça va rentrer, ça va taper sur. Sur A, et franchement, c'est des putains de spots. Et comme j'ai dit, il y a 3 spots Tomahawk, 3 spots balistiques, donc c'est plutôt cool. Et voilà, j'étais vraiment chaud pour faire ce petit tuto. Je crois que j'étais avec Roméo, voilà, ouais, j'étais avec Roméo, donc dédicace à toi. Merci Roméo de m'avoir aidé pour ce petit spot, pour ce petit tuto. Donc là, ça, c'est le premier spot contre balistique qui a été trouvé par lui d'ailleurs. Donc on va le dire, hein. Bravo à toi, merci de m'avoir aidé. Donc voilà, c'est aussi simple, vous calez dans le petit coin là, vous visez les drapeaux. Si vous voulez que ça atterrisse plus à gauche, vous tirez tout simplement plus à gauche. Voilà, vous calez dans le petit nuage, vers le petit nuage et vers l'espèce de petit drapeau que vous voyez. De toute façon, c'est plutôt simple, vous aurez le repère à l'écran. Voilà. Bon, voilà, vous voyez que j'ai bougé parce qu'au début, je m'étais trompé dans le endroit où il fallait viser. Vu que c'est lui qui a trouvé, il m'a indiqué, faut viser un peu plus bas en fait. De toute façon, vous visez comme ça indiqué à l'écran et comme ça indiqué sur la killcam et vous le rentrerez. Là, ça a été trouvé pour que ça passe au-dessus de la petite barricade pour tuer les campeurs qui pourraient se Ah mettre oui, là, je mais sais si vous pas. tirez plus à gauche, ça marche aussi, bien évidemment. Faut juste pas bouger la hauteur, voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va se retrouver pour le deuxième spot au couteau balistique. Voilà, un bon spot également. Donc encore une fois, 2C à A. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez que je suis en train de prendre C. Vous allez donc vous dépêcher, vous allez rusher jusqu'à ce petit mur à côté des vestiaires, toilettes, de grind. Voilà. Et vous allez viser juste ici, à peu près au deuxième croix ennemi que vous voyez sur l'espèce de truc à gauche du petit drapeau. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, mais je pense que niveau repère, c'est pas trop trop compliqué. Et vous visez ici. Comme j'ai dit, vous pouvez viser plus à droite si vous voulez que ça atterrisse plus à droite. Plus à gauche, si vous voulez que ça atterrisse plus à gauche pour ce spot, qui est aussi conçu pour tuer les campeurs. Donc là, ce serait un. Bah, si vous visez plus à gauche, ça, et à la même hauteur, ça passera. Donc voilà, et le troisième et dernier spot au couteau balistique, vous calez là, vous visez ici, vraiment un spot très simple avec un repère vraiment simple. Vous visez juste là, et normalement, ça devrait aussi rentrer au top de campeur en face. Ou si vous voulez que ça rentre dans l'allée, vous tirez un peu plus à gauche. Voilà, tout simplement. Ensuite, le dernier spot au Tomahawk qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est un spot Tomahawk qui atterrit sur B. Alors là, ça va vraiment être un bon spot aussi que j'ai trouvé moi-même. Je crois que Roméo, on a trouvé qu'un ou deux de spots. Voilà. Bref, vous calez contre ce petit panneau en étant accroupi. C'est très important. Vraiment, vous calez bien sur ce petit panneau et vous visez après au-dessus de A, au-dessus de cette espèce de lampe là, sur la droite de cette lampe. Vraiment, hein, sur la. C'est parfait. Le côté droit de la lampe, dans l'alignement de son côté droit, et vous visez. Bon, là, il n'y a même pas la cliquette complète, tellement c'est long le temps de lancer le Tomahawk, mais il fait un joli bank shot et il atterrit tout pile sur B. Donc, franchement, ça, je pense que c'est un truc. Vous faites en début de Double bank partie, shot. vous attendez 3-4 secondes, vous le lancez, vous êtes quasiment sûr de le rentrer parce qu'il y a toujours des mecs qui rushent sur B en début de partie sur la map grind. Donc, voilà, les gens, merci à vous d'avoir écouté ce petit tuto. Dédicace à Romain pour m'avoir aidé. Puis n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain spot. N'hésitez pas à proposer une map dans les commentaires. C'était TheGeekTor. Allez, belle les gens!